principe, c'est une hélice qui est munie de LED sur les pales et qui, en tournant, donne cette impression de 3D, d'objets qui flottent dans l'air et qui, du coup, attire le regard, interroge le passant, interroge le chaland. Et nous avons choisi donc de représenter cette solution sur les départements d'outre-mer, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, et qui me semble intéresser les annonceurs parce que leur produit est vu et surtout retenu. On a l'impression qu'on peut toucher. Donc du coup, ça a quand même au niveau du sensoriel, voilà, on est attiré. Parce qu'en fait, on est en 3D là un peu, non? Donc du coup, visuellement, c'est quand même très beau. C'est, par rapport à un affichage classique, en deux dimensions, ça change tout. Et le fait d'avoir la 3D, ça capte encore plus l'attention du potentiel client dans l'hôtellerie, dans la restauration. Il y a très souvent dans notre secteur des temps morts, des files d'attente, des temps pendant lesquels on regarde autour de soi. Et c'est assez judicieux d'avoir de l'animation autour et une animation très esthétique, très sympathique. C'est vraiment assez complet, je trouve, comme support et vraiment tentant pour le secteur de l'hôtellerie-restauration, je trouve. On est habitué à un média, on va dire, plat, là on est un peu sur de la 3D, de l'animation, c'est un message qui s'adapte en plus, voilà, je pense qu'il remplit toutes les conditions, plutôt que les anciennes affiches, on va dire, papier, qui ne bougent pas, qui sont fixes, et là on a de l'animation, donc à mon avis ça impacte plus. Les retours d'expérience permettent d'être mesurés aux alentours de 12, 15, 25% d'augmentation. L'effet est au rendez-vous. L'effet, c'est l'effet waouh. Et nous avons fait déjà quelques opérations de lancement de produits nouveaux et chaque fois, le public présent a été sous le charme.